Lutte contre la vie chère, le gouvernement accompagne les populations dans la préparation de cette rentrée scolaire. À l'occasion de cette rentrée scolaire en préparation, ce 27 août 2024, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangana, a procédé au lancement de la vaste campagne au boulevard du 20 mai à Yaoundé. C'est une opération nationale que nous avons baptisée la rentrée scolaire, la rentrée commerciale. En fait, c'est un parallèle avec la rentrée scolaire. Donc, c'est une opération naturellement nationale. Nationale signifie que c'est toutes les 10 régions du Cameroun. Nationale signifie aussi que c'est dans tous les terroirs, tous les territoires. Ça veut dire que, en ce qui concerne la région du centre, c'est pas que Yaoundé. C'est aussi dans les départements, et je voudrais le dire, cette caravane se déploie donc parallèlement dans les départements. Et je voudrais inviter les parents qui sont en région de rester tranquilles. La caravane viendra les trouver. Nous sommes dans ce que nous appelons l'opération de proximité par excellence. Le temps de ce marché à ciel ouvert, il est question aussi bien pour les fournitures scolaires que d'autres denrées d'être trouvées ici à des prix défiant toute concurrence. Je salue vraiment l'effort que le gouvernement est en train de faire. Et en tant que président régional des libraires, nous sommes obligés d'accompagner l'action gouvernementale. Donc, nous avons des fournitures scolaires ici de bonne qualité et ces fournitures scolaires respectent vraiment les normes. Quand il dit respecter les normes, vous savez, il y a beaucoup de cahiers qui ne respectent pas les normes dehors. Alors nous devons être vraiment responsables de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cette raison que nous avons donc accepté d'accompagner l'État via le ministère du Commerce, puisque eux aussi nous accompagnent souvent dans nos actions. On y trouve également tout le nécessaire pour accompagner la rentrée scolaire en termes de biscuits, de lait ou encore tout simplement de goûter pour les enfants. Nous sommes la société OK Food Cameroun, une société agroalimentaire. Nous fabriquons les produits tels que le chocolat, qui sont les produits pour le petit déjeuner. Le lait, Top Milk, sont les produits pour le déjeuner du matin, pour donner la force aux enfants pour qu'ils passent une très bonne journée. Et hormis de cela, nous avons les biscuits pour mettre dans le sac de l'enfant comme goûter et les bonbons. C'est une société qui accompagne, nous accompagnons les enfants pour dans l'action rentrée académique, dans la mesure où nous procurons un petit déjeuner le matin, un goûter à midi. Et les prix sont très moins chers. Nous avons cassé les prix car nous donnons au prix usine, au prix de la société, pour que tous les parents puissent avoir un chocolat Chocoloco posé sur la table et le gilet Top Milk sur la table chaque matin. L'agroalimentaire n'est pas en reste pour ce vaste mouvement pour alléger le panier de la ménagère. La société Novia est dans la même logique que le gouvernement actuellement, c'est-à-dire d'accompagner les populations pour la lutte contre la vie chère. Et c'est depuis un an et demi déjà que nous sommes dans le marché, que nous participons à tous les événements organisés par le ministère du Commerce dans l'optique d'accompagner le gouvernement pour la réalisation des objectifs qui sont communs. Et la différence avec nous aujourd'hui, c'est que nous, on vient vraiment cibler la ménagère. On connaît le problème de la ménagère, on apporte la solution. Présentement, on a une promotion qui est en cours depuis un mois et demi déjà. 5 bouteilles achetées, une bouteille offerte, ce qui revient ici à la fois à 1166 francs le litre au lieu de 1500 francs, comme prix homologué par le ministère du Commerce. Et avec ces 5 bouteilles, la ménagère a la possibilité de gagner aussi les kits scolaires pour la rentrée scolaire qui s'annonce présentement. Même les établissements de l'enseignement supérieur ont trouvé place ici pour attirer les nouveaux étudiants. Étant donné que le ministre a estimé que les Camerounais doivent bénéficier de ces réductions de prix, l'école supérieure, la banque de la finance et du management dont je suis le promoteur, nous pouvons apporter notre modeste contribution à la réduction de la vie chère. C'est pour ça que tous ceux qui viendront s'inscrire ici à la foire auront une réduction de 5% sur la pension qu'ils auront à payer. Surtout que nos pensions sont les moins chères de la ville. La rentrée alimentaire est également en place à en croire ce boucher qui annonce des prix attrayants. Véritablement, nous accompagnons dans la mesure où il n'est pas seulement question de la rentrée scolaire.
elle est aussi question de la rentrée alimentaire, elle est aussi alimentaire. Et nous sommes là pour accompagner cette rentrée en permettant aux parents d'avoir les produits à vil prix, d'avoir les produits au prix très, très, très accessible à tout le monde. Par exemple, vous allez voir que sur le marché, c'est pas la même chose. Ici, nous sommes à 2400 francs au lieu de 2500 sur le marché ordinaire et à 2900 au lieu de 3000 francs sur le marché ordinaire. Vous voyez que c'est vraiment, il y a une petite marge. Et ça doit naturellement avoir une incidence positive dans le prix de la ménagère. Tout est donc fait pour que le porte-monnaie du parent à l'occasion de cette rentrée scolaire ne souffre pas beaucoup. Et pour cela, il faut faire le déplacement du boulevard du 20 mai, mais également d'autres espaces à travers les 10 régions du Cameroun sont ouverts pour le même objectif. FH News, votre télévision.